J'ai choisi l'aéronautique parce que où est-ce que j'habite, c'est à côté de l'aéroport en Haïti. Là, depuis mon enfance, j'ai vu les avions. J'ai tellement aimé ça. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas utiliser les avions? Pourquoi ne pas les construire? Tout d'abord, en fait, il y a eu un groupe québécois qui est venu à La Réunion pour présenter tous ses cégeps et tous ses services. Mais il n'y en avait aucun qui m'intéressait. Je voulais vraiment aller dans le milieu aéronautique. Et à ce moment-là, j'ai fait mes recherches à côté et j'ai trouvé l'ENA sur site internet. Quand je suis arrivé ici, j'ai commencé à étudier au Concordia dans le programme ingénieur mécanique. Mais après ça, j'ai pensé à faire quelque chose de plus technique que calcul. Et après ça, j'ai commencé à trouver pour une école qui je pouvais faire et j'ai trouvé l'ENA. J'ai toujours été passionné d'aéronautique. J'ai découvert l'ENA grâce au site internet. Dans un premier temps, vu qu'au Québec on parlait français, je me suis dit je vais trouver un pays dans lequel je me sens un petit peu plus à l'aise. Là, j'ai trouvé le Québec, donc j'ai demandé à mes parents est-ce que je pourrais aller étudier au Québec. Après ma première visite, je suis tombé en amour avec l'ENA. Moi, je m'attendais à avoir beaucoup d'avions et ça, ils m'en ont donné, j'étais très content. C'est énorme, il y a plein d'aéronefs, il y a vraiment beaucoup de moyens ici. J'ai dit comme « wow », c'est ici que je vais étudier parce qu'il y avait tellement d'avions, tellement de laboratoires, tout était super bien équipé. J'étais vraiment très fier de découvrir le Québec parce que j'avais vraiment cette envie d'y arriver. Ça datait depuis presque 7 ans que j'avais vraiment cette pensée. En venant ici, c'est la première fois que je voyais la neige. Fait que, moi, c'est mon premier souvenir, c'est mon premier choc. Et j'ai trouvé ça magique. C'est impressionnant d'avoir les quatre saisons ici. La première fois que j'ai démarré la première moteur tourbine, c'était incroyable. Les professeurs aussi sont très bien. Le but final de notre enseignement est de rendre nos étudiants compétents dans les tâches qu'ils auront à faire. Donc, c'est sûr que le domaine de l'aéronautique est très vaste et permet à un individu de faire de multiples choses. Il y a beaucoup de moyens qui sont à travers tous les cours. J'ai pu également découvrir les différentes activités de loisirs et de divertissements proposées aux étudiants et j'ai tout de suite été emballé. Depuis 25 ans, il y a eu à l'École d'aérotechnique un certain nombre d'activités qui ont développé les aspects internationaux. Et ceci s'est fait autant par des cohortes d'étudiants qui sont venus de pays étrangers pour prendre des formations pointues, ou encore des activités qui ont été développées à l'ENA même pour amener nos étudiants à l'étranger, que ce soit par les projets de compétition internationale, par les projets de conférences, de mobilité étudiante. Quand je suis arrivé ici, à l'ENA, j'ai fait un test d'avion. J'ai fait un petit tour d'avion. C'était excellent parce que voyager dans des petits avions, je n'ai jamais essayé ça. C'est toujours des gros avions, mais j'avais du monde avec moi. C'était très apprécié. Là. Pour les gens qui veulent étudier de l'aéronautique, je dis, ici est la place. Il y a beaucoup de monde qui peut vous aider. Il y a beaucoup de monde qui, si vous avez un problème, si vous avez une question pour l'aéronautique, il y a beaucoup de monde qui peut vous aider. Il faut faire ce qu'on aime. Et l'ENA, c'est vraiment une école pour les passionnés d'aéronautique. S'ils ont envie de vivre une expérience à l'étranger, qui plus est en aéronautique, qu'ils n'hésitent pas à venir au Québec. C'est un pays dont l'industrie aéronautique est vraiment fait partie intégrante. Et également, ça leur permettra de développer une adaptation à l'étranger et également de pratiquer leur anglais qui est à l'heure actuelle indispensable. Ici, on a plein d'opportunités. Toutes les entreprises sont ici et d'aéronautique. Aussi, il y a beaucoup plus d'autres opportunités. Si vous voulez faire une autre chose, que ce soit pas l'aéronautique ou l'électronique, par exemple, dans mon cas. Moi, je dis, si quelqu'un était sur cette planète, tu veux faire des avions, tu veux voler, la meilleure place, c'est de venir ici, au Québec, et à l'École nationale aérotechnique. Ce dont je voyais de loin, je suis en train de le voir de près. Moi, personnellement, j'aimerais travailler dans les petites entreprises, aller dans le Grand Nord, vivre cette expérience et travailler dans la maintenance aéronautique. Avec mon diplôme, moi j'espère rentrer dans mon pays et au moins aider, faire développer le peuple,
je vais tout faire, tout ce que je suis capable pour améliorer mon pays. Nos étudiants d'avionique peuvent se diriger vers des programmes de génie électrique ou génie électronique. Nos étudiants de construction aéronautique ou de maintenance d'aéronefs peuvent se diriger vers des programmes de génie mécanique, vers les programmes de production automatisée. Deux programmes, entre autres, qui sont très populaires et qui sont disponibles à l'École de technologie supérieure. Je sais que le diplôme qu'on reçoit ici est très bon et donc je me sens confiant dans l'avenir. Puis je me sens assez fort. Donc.